Tiens, ça faisait longtemps. Un mois ou deux, je ne sais plus. 2 mois, précisément, Cyril. Toi, tu changes pas et tu cesses de rajeunir. Arrête un peu. J'ai l'impression de perdre mes muscles. Bon, alors, ce voyage en Scandinavie. Écoute, ça fait du bien de partir, souffler un peu et de retrouver au retour des personnes qui nous ont manqué. Mais réellement. Toi aussi, tu m'as manqué. Il va falloir que tu me parles de ton périple. Oui, mais ce serait peut-être pas un bon écho. Enfin, là, tout de suite, des images, il y en a dans ma tête, dans la caméra, des mots aussi. Or là, tout de suite, ce qui reste... On a tout notre temps, maintenant. Tu n'es pas obligé de raconter tout de A à Z. Mais il est quand même possible que tu me racontes des choses qui t'ont marqué. Ce qui m'a marqué... Oui, ben, je te raconterai ça ce soir, t'inquiète pas. Un voyage, c'est savoir abandonner les jours mornes du quotidien, en laissant remonter à la surface des instants que nous avions égarés. Les routes se multiplient de plus en plus, tandis que les pensées vont chercher de plus en plus loin, introspection, rétrospection, les plaisirs disparus d'une vie qui coule. Avec cet écoulement kilométrique, je voulais partir physiquement du territoire natal. 3 amis veulent partir à l'étranger, point. Avant maintenant, maintenant le cap sur l'aurore. On nous dit, mais c'est l'été, il ne fera pas nuit ici, vous ne verrez pas d'aurore boréale dans ce coin. Alors l'aurore, elle se fera artificiellement, mentalement, au lever des corps. Nous dormirons dans la tente installée à différents lieux, migrants avec nous. Je pense rarement au lendemain, et souvent à hier. Ici, j'avais les montagnes et la mer. Vendredi 14 juin 2013. Un nouveau départ pour une destination que nous ne connaissons pas. Se rafraîchir les yeux de panorama. Le visage d'un jour. Maintenant, après avoir traversé la Belgique, la Hollande, je me retrouve en Allemagne, dans une voiture. Ce soir, nous serons à Copenhague. Je ne sais pas comment écrire mes réactions. Peut-être arriveront-elles sous forme de poèmes.
La caméra me scrute sans savoir quoi dire. Le pont s'écoule. Tu ne filmes pas ? Non. J'en ai déjà un en boîte. L'importance est-elle dans cette vision vidéographique ? Ou bien tout au fond des yeux ? Où donc pourrais-je voir davantage l'histoire de mon prochain film ? Santé. Ah bah je suis content de te voir. Franchement, ça faisait longtemps que j'attendais. Bah, je veux dire moi aussi. Ouais. Quand t'es 24h sur 24 en voiture avec deux autres amis, bah c'est long. Je devais te parler de mon périple donc. Bah oui, tu devais... Bah... C'est la moindre des choses quand même. Attends, ça fait quand même plus de 2 mois qu'on s'est pas vu. Non, c'est vrai, mais c'était le but de ce repas aussi. C'est vrai. Par rapport au voyage, tu vois, avant de partir, ouais. J'ai laissé un montage inachevé. C'est-à-dire, c'était très étrange. J'ai réalisé un film avec des archives. Ouais. Vidéo de pas mal de rushs que j'avais filmé quand j'étais plus jeune. Ouais. Et je me suis arrêté net. J'arrivais à rien faire. Ça s'est arrêté. Je pouvais plus continuer. J'étais... C'était bizarre. C'était bizarre. Tu vois, c'est... Je sais pas, j'étais pris dans une espèce de tourmente où devant le banc de montage, je savais pas quoi faire. Le noir... Sans faille, lui est brouille. Un panorama étranger. Un étranger au seuil de la nouveauté, ne sachant pas ce qu'il allait voir, découvre et couvre ses mots d'un voile opaque. L'un quitte son volant pour prendre une photographie. L'autre reprend le cerceau et guide ses mains par les yeux et vice-versa. Le soleil se couche et mes yeux se lèvent une nouvelle fois. Du coup, tu plonges ? Ouais, il faudrait peut-être que tu fasses un peu. Si vraiment c'est pour une photo, je peux peut-être le faire. À la chambre. Sinon, ouais, on peut faire la chambre, hein. Mais il faudrait que tu vois le fond ici. Hein. Mais tu peux déjà faire un saut dans l'eau, je pense. Je vais commencer par aller chercher ma serviette. On se baigne ? Faut juste que je vérifie. À l'arrière de la voiture, je me tais. Rien à dire de particulier. Les photographes ont pris le dessus, à braquer l'objet sur les choses. Je n'ai pas à filmer contre ma volonté. Lundi 17 juin 2013. Nuit dernière dans une tente. Rivage sur la droite, obstrué. Ici, là, aujourd'hui, l'eau coule. Sous les ponts, si je voulais user d'expression. Enlever des contacts.
Couper le téléphone portable, l'ordinateur, Internet. Chronophagie. Espace de plusieurs jours, tendre vers une dénumérisation, délocalisation. Je préfère voir un fromage couleur cacao. J'étais un peu comme un paparazzi, je filmais tout le temps. Ouais. Énormément de choses qui m'intéressaient. Mais c'est pas pour autant que j'avais une histoire claire et précise. Je voulais pas faire un documentaire ou quelque chose de télévisuel, ça m'intéressait pas. En tout cas, ça m'intéresse pas dans ce que je veux faire. Mais j'étais vraiment bloqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et même au bout de 2 semaines de voyage, j'avais aucune idée. Donc j'écrivais sur un carnet, bien sûr, des idées, mais aussi des pensées. Mais c'est pas pour autant que j'avais une histoire claire. L'histoire claire, elle s'est révélée... Je sais pas, je dirais 2-3 semaines. D'accord, donc à peu près. Maintenant, tu as une histoire un peu plus claire pour ton film. Ouais. Bah, c'est une histoire révélée, c'est aussi l'image qui est révélée. Ça, c'est... Elle commence à avoir un sens. D'accord. Un sens par rapport à l'organisation que je vais donner à mes images, tu vois. Mais, donc en fait, ils ont fait... eux, bon, ils continuaient leur... leurs photos, etc. Donc ils continuent à... Mais donc toi, pendant ce temps-là, bon, ils ne voulaient pas être filmés. Tu filmais? Est-ce que tu filmais ou... Je l'ai filmé en train de prendre des photographies. D'accord. Donc, par exemple, il y avait Flavio qui prenait des photos à la chambre, ouais. Samuel qui prenait des photos au numérique. D'accord. Et ça m'intéressait. Tu vois, de voir les préparations pour une photographie, voir la photo finale. Et moi, ce qui m'intéressait au niveau de la vidéo, c'est de voir tout ce qui se passait autour. Voilà. Ça m'intéressait pas forcément d'avoir des corps fixés, tu vois, sur une planche, sur... Ouais, d'accord. Enfin, en fait, mais quand même, ça, tu l'as vu au retour, et toutes ces photos. Mais donc, quand tu les as vues, quelle a été ta réaction? Pour moi, il manquait quelque chose. Ah oui. T'as pas eu le sentiment d'être dans le même cheminement, je pense. Non, ouais. Voilà. Oui, si. En fait, t'as quand même retrouvé une ambiance, une esthétique particulière qui correspond au voyage. Au niveau des photographies? Oui. Oui, bien sûr, mais... Mais c'était pas entièrement. C'était pas fait pour toi. C'est ça, c'est pas fait pour toi. T'as le sentiment, effectivement, comme tu disais tout à l'heure... Les matières fixées sur une planche, les corps arrêtés, immobiles, ça c'est pas ton c'est truc. Pas mon truc. Non, c'est pas ton truc. Pas du tout. Ouais, d'accord, je comprends bien. En fait, pour toi, un cliché, ça sait où ça va, c'est déjà joué d'avance. Mais toi, en fait... Il y a une mise en scène au préalable. Voilà, c'est ça. Et je voulais pas forcément une mise en scène par rapport à mes rushs filmés. Ouais, parce que toi, tu... t'étais pas du tout dans... Enfin, je pense, hein, t'étais pas du tout dans cette perspective. Non. En fait, non, toi, non. Tu savais pas où tu allais. T'allais nulle part. J'allais nulle part, mais j'étais très tourmenté, finalement. C'est des grands mots. Ça me paraît un grand mot, mais j'étais tourmenté. L'un dort sur l'herbe fraîche. L'autre lave la vaisselle du midi. Hier soir... Le feu a grogné au milieu de ces roches et de cette pluie sans fin. Lorsque cette dernière s'est arrêtée, je suis tombé sur une petite roche. Le blouson de mon père à ses 20 ans traverse les âges. Le temps sans fin s'écoule. Il n'a aucun sens, si ce n'est celui de la nostalgie. Je fais mauvaise mine. Je le sens. J'ai peur de revenir en France et qu'elle me dise
Je ne t'ai pas attendu. Je suis déjà assez désespéré pour vivre avec l'ombre de moi-même. Après quoi, je ne dirai rien. Je trouverai les meilleurs souvenirs, les meilleurs moments lorsque, dans un temps similaire, elle penserait au plus mauvais. Les instants fusent, et je n'ai rien pour retenir cela, pas même ma sincérité déconcertante. Si tout continue dans un mauvais état d'esprit, que respirerai-je? Un air moins bon que celui de là-bas? Sûrement pas. Je cherche désespérément à me construire une grue pour changer un peu de mouvement. La nuit, j'ai rêvé de F en train de me délaisser sans vergogne. Impuissant, comme si les écrits avaient glissé dans l'inconscient. Ce matin, je suis un peu mélancolique. Je stoppe un peu la fumée envahissante. Je voudrais saisir les paysages, que ça entre en moi et que ça ne ressorte pas. Rouge, maison rouge, pleine, route vide, noire et neuve, barrière en deçà. Serre au caribou, vent léger et frais, mélange neige, horizon incertain, carré d'ombre sur les courbes panoramiques, fenêtres blanches, herbe sur le toit. Étroite route de rechef en altitude, 1000 mètres et plus. Pente sans fin, chargée de sapins. Cascades et lacs, feu de bois sur les vêtements. Ô camailleux en émoi, ce calme s'exerce, cavale en se figeant. Jamais savoir où s'arrêter, où dormir. L'appartement est loin, loin est l'amertume, brisée. Les visages et les mots échangés, les lumières et ses bras écartés. L'homme
National Park, Upland. Quand je te disais tout à l'heure, tu allais nulle part. Mm. Enfin, tu cherchais quand même quelque chose. Ouais, j'allais pas n'importe où. Oui, t'allais pas n'importe où. Tu allais nulle part, mais tu cherchais quelque chose. Ouais. Et tu l'as trouvé ? Je sais pas. Je l'aurai trouvé quand le film sera terminé. Ah, super. Et quand le film sera terminé, j'estimerai avoir atteint, ou pas, quelque chose de mystique. Je crois que c'est ça que je cherche, en fait. Quelque chose de mystique dans ce trajet et aussi dans ce qui émane, tu vois, des vidéos, des photographies, une certaine idée aussi du voyage. Tu vois, ça m'intéresse. Après, on verra. Est-ce que je vais y arriver ? Ah, moi, je te fais confiance, tu vas y arriver. Wonderwall, I'll do that. But... Arrêt essence 95. Sans éthanol, dit-il. Reprise d'un chemin. Cherche connexion pour rédiger un mail. Les journées sont longues. Tout est à découvrir. Les ondulations aquatiques. Les châteaux de cartes montagneux. Partiellement enneigés. Plus je voyage avec eux, plus je me rends compte que je ne connais que très peu de choses. L'état sauvage, animaux, orientation. Être en groupe et en même temps seul. C'est ce qui arrive quand on apprend avec les autres. L'œil vers eux et l'œil vers soi, en retrait. J'ai mal au ventre. La voiture sent le feu de bois. Nous nous arrêtons à une école. Nous entrons pour essayer de trouver cette fameuse connexion. Un homme peu avenant nous dit en anglais que nous sommes dans une école, que c'est non, point. On peut l'utiliser à l'extérieur. Des adolescents en pick-up sur notre droite. Quelle classe! Sortir du matérialisme, devenir impressionniste en s'intéressant à la matérialité des choses. Les vagues gémissent. L'automobile tremble. Un empilement de sacs me cache la vue. Fjord sans loi ni limite, sans foi ni loi. Hier, la douche a été froide. La descente d'une cascade de ces rochers glissants a servi de lavoir. Mes épaules brûlent. Le soleil ne se couche pas comme chez moi. Il est 00h30 et il fait jour. On se voit. On joue au football, allume un feu. Un silence de fatigue retentit. J'entre dans la tente, il faut que je dorme.
Heupag, Kraftwerk, Dunfos Camping. Camping privé, public. Babel désolé. Je voudrais parler avec des gens. De fait. Mercredi 19 juin. Une sorte d'usine à mots s'impose à moi. Verser son encre pour y exprimer des sentiments, des sensations. Les pieds à l'air, face au courant intense de l'eau. Un drapeau de la Norvège flotte au loin. La distance me permet encore de penser aux êtres qui me sont chers, précieux. Je ne cacherai pas ce constat. Du plaisir à être aimé et aimé en retour. Il y a bien longtemps que je n'ai pas pleuré. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les larmes vont couler lentement. Une sombre mélancolie m'alarme. Tout coule. Comme les larves dans le bac à vaisselle. Après quoi, j'irai m'endormir, infantile, contre les rebords d'un sentier. Ici, peut-être. Ton corps est couché, mais n'est pas mort. Ton mutisme décore les tambours dans ta tête. La plaine déchante quand je m'abstiens de la faire tomber. Plus rien n'a de logique dans ce vaste radeau silencieux, rayé de la carte, localisé dans les songes. Tu te dis, je veux réaliser un film. Mais pour qui? Pourquoi? Comment? Tu filmes, tu enregistres la voix, le déplacement physique. Tu pars sans histoire et prétends en raconter une en train de se faire. Je veux filmer des photographes, mais ils ne veulent pas être filmés. Est-ce que ça pourrait être une trame narrative? Non. Centre ce projet autour de toi. Tu voyages ailleurs que dans tes pensées, mélange, organise, regarde les images se dérober et fais-les coïncider avec des images d'archives, le maintenant et l'autrefois réunis. Non, n'organise pas. Laisse l'imagination te porter et laisse place à l'arrangement qui te plaît, qui te touche. Donne aux autres ce que tu aimerais recevoir, voir, savoir. Ne les fais pas rêver avec un air télévisuel. Opère, réattribue des fonctions intéressantes, d'agencement entre les images en mouvement, même si on te dit...
vendredi 21 juin. En attendant la recharge des batteries, j'écris. Ces messages me font du bien. Que la distance m'écœure et me passionne. Je discute en anglais avec des personnes accueillantes. La sympathie règne. Mais je ne parviens pas à tout comprendre. Je demande si j'ai le droit de filmer. Ils disent que oui, sans problème. Mon film n'a pas encore de structure, mais il avance quand même. Je suis fatigué. Nuit blanche pour moi. Les batteries doivent charger. Le carnet que je commence à affectionner est un souffre-douleur. Il m'aide et me détruira. Je voudrais dormir. Mais la réalisation du projet est trop encombrante. On ne vit que trop vite. Et je veux inscrire les choses dans leur temporalité. J'ai commencé à filmer pour m'accaparer les choses. J'ai rêvé d'un appartement. La pièce a évolué. Lorsque je suis entré, on ne reconnaissait rien. Pourtant, je savais que c'était ici que j'avais vécu. Ici, exactement, dans cette pièce au bar lumineux. Elle savait aussi bien aimer qu'abandonner. Et, au-dedans du tournoiement, je me suis vu partir aussi loin qu'elle. Le bourdonnement remonte à mes oreilles. Nous sommes dans un non-lieu, immobile. Le silence m'inonde. Un petit peu plus de lumière peut-être. Ouais, je pense. Pendant ton absence, je suis parti en Grèce. Comme chaque année à la même période, toujours au même endroit. Mmh. Et je voulais profiter de ces quelques semaines pour terminer cette pièce dont je t'ai parlé. Dans laquelle j'ai un rôle, c'est ça ? Dans laquelle tu vas jouer, effectivement, ça tu le sais déjà, puisque je te l'ai dit, oui. Et donc tu vas jouer dans cette pièce, et donc, parce qu'elle est terminée, je te l'annonce. Ouais. Définitivement. Définitivement. Écrit. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal, et donc pendant 3 semaines j'ai écrit tous les après-midi, et voilà, donc jusqu'au bout j'ai eu un peu de difficulté pour le titre par exemple, j'hésitais, je savais pas très bien, et ben, finalement maintenant c'est fait. C'est-à-dire ? Ben, j'ai un titre définitif, et voilà, et la pièce, voilà, j'ai mis le mot fin à la pièce. Donc je suis très content, voilà, donc on va pouvoir passer à autre chose, enfin non, passer
passer au montage de cette pièce. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait pendant que tu étais absent. Et puis, puis aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh. Ouais. C'est quoi? Ah, j'ai un petit cadeau. Tu sais, tu m'as parlé il y a quelques mois d'un film que tu aimais beaucoup, d'un cinéaste qui s'appelle Jean-Daniel Paulet. Ah, Bassé. Voilà, Bassé. D'accord. Et donc, tu m'avais dit que tu aimerais bien que si je ne suis pas trop loin de ce site, je puisse filmer. Et tu as pu filmer? Alors, je n'étais pas si loin que ça. Bon, j'étais à 150 km à peu près. Et, bah oui, je suis allé. Je suis allé dans la montagne et je l'ai filmé. Ici. Ah, c'est fait. Donc, j'ai une petite clé USB avec. Ça fait 9 secondes, 10 secondes. Et t'as filmé Bassé directement? Oui, j'ai filmé Bassé, j'ai filmé le temple d'Apollon Épicurios. Donc, ce qu'on voit dans le film de Paulet. Mm-hmm. Et donc, voilà. Bon, ça a un peu changé, hein. je te préviens tout de suite. Oui, je regarderai. Voilà, donc depuis que ça a été tourné, parce que tu le sais très bien, je te l'ai déjà dit, ça a été tourné en 1964, l'année de ma naissance. Et c'est un sens. Bon voilà, donc ça a changé. Donc le site a beaucoup changé, puisqu'à l'époque, le site était à découvert. Aujourd'hui, il est préservé sous un chapiteau, parce que ce sont des ruines qui sont très fragiles. Voilà, et donc les vestiges, tu sais, c'est comme les vestiges de la mémoire, etc. Ça s'écrase avec le temps et ça s'étire dans la conscience. Voilà, donc. Et tu vois, c'est justement, puisqu'on parle de ça, et c'est un peu, d'après ce que j'ai compris, un peu le thème de ton film, c'est. Oui, si on veut. Mais j'aime plus éprouver ce que toi t'as éprouvé aussi. C'est-à-dire parce que c'est quand même un peu étrange. On voit ces vestiges d'un autre temps et on se demande pourquoi ils sont là et pourquoi est-ce qu'on ressent quelque chose alors que finalement il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Ils ne représentent plus rien et pourtant on ressent quelque chose. Alors est-ce que ça nous parle de nous? Ça nous parle de quoi? On ne sait pas. Et voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que j'avais bien compris ce que tu me disais tout à l'heure. C'est-à-dire Le déplacement physique. Tu m'as parlé de déplacement physique. Et ce déplacement physique, c'est quelque chose qui bouscule. Ça bouscule, je sais pas, le psychisme. Tracé, trajet, trait d'union. Nous nous sommes mis à communiquer pour foncer vers Stockholm. De ne pas avoir écouté de musique pendant quelques jours me frustre. C'est sur 27. La radio capte à merveille. Pour une fois. Eh bien voilà. Eh bien bravo. En même temps, quand j'allais à Paris, je restais 24 heures. Oh, mais ça me trouve, je suis resté 2 jours à Paris. Ses couleurs amorphes. Démarche nocturne d'un esselé, au calme, accalmie, létale. Absence de sensation, attention particulière. Récolte de fleurs jaunâtres dans un bocal, partie désormais pour la ville. Ronde, cercle, strate de vide, sniper photographique, paparazzi, animaux, forêt. Disparition. Je veux rentrer et ne rien faire. M'enrouler dans une couette et
ne plus bouger. La fontaine des larmes prendra alors le dessus sur l'émergence de la mémoire et des mémoires au pluriel. Inscrivant petit à petit les stigmates incommensurables. Le corps est parti. La tête est restée. De là est né l'entendement. Arriving at some people's house. Thank you. Copenhague, jeudi. Ambre. Mise en garde. A manqué indéfiniment. Esselé sur un divan, proche du sol déferlant, main contre le front, bras tendus en mendiant, déliant le mensonge calmement. Rien, mais rien, il vous faut venir. L'aubaine d'une nuit cachée et se couvrir, parois lisses et plafonds ouverts, cris, chrysanthèmes, tout se referme. Le dos usé montagneux, ne compte plus les heures. Il sait simplement qu'il est vieux, délaissé en un corps droit au sein. Il sait maintenant qu'il succombera. Victime d'une naissance, mêlé au carcan, vestige de l'animalité en un visage poreux qui ne sait s'il sent ou ressent. Il ne ressemble plus
Il ne voit plus les acquis comme dans une boucle. Se découvre et se redécouvre sans prétendre en être découvert. La bête sabotée, prête à gésir, ne veut pas partir. Pourtant, elle partira, seule à gémir, à en pâlir, face à la froideur du zéphyr. Les membres, les odeurs, les erreurs, l'ambre, l'amour, les liqueurs, les malheurs, l'eau, les champignons. Voyeur des carnages extérieurs, j'étais le carnage vu de l'intérieur, préférant la lueur de ces jours radieux qui nous rendaient incertains sans nous rendre vieux, obligeant de se taire à jamais, main levée comme futile, offrant un présent empoisonné. Ce qui est bizarre avec les ruines, c'est que c'est un petit peu comme les souvenirs filmés, tu vois. Quelque chose qui reste, mais jamais l'intégralité. Non. Ouais. Mais il reste quelque chose, une ébauche qui te donne, qui donne vie à énormément de choses. Mais c'est la question que je pose, c'est elle donne vie à énormément de choses. Quoi ? Est-ce qu'elle donne vie à ce que tu as toi en toi ? Est-ce que c'est, ça fait écho à ta propre vie, à tes souvenirs ? Je sais pas. À ce qui est en ruine dans ta vie ? Non, non, pas ce qui est en ruine dans ma vie. C'est l'attrait pour les ruines. C'est pas forcément quelque chose qui est à l'intérieur. Ouais. Ouais. Je m'intéresse beaucoup au passé, à la nostalgie, à la mélancolie, à ce genre de thème, mais l'attrait vraiment pour les ruines, c'est quelque chose qui me touche sans entrer dans des recherches psychanalytiques, etc. Moi non plus, cher. Toi, je sais. Je sais. En Scandinavie, des ruines, il n'y en avait pas. Non. Il n'y en avait pas, mais pourtant, j'arrivais à cerner par rapport à ces paysages que j'ai vus là-bas, à cerner des éléments, des matières qui étaient restées en France. Des matières sur le support vidéo. Ah, d'accord. Donc en fait, tu faisais un parallèle entre. Ouais. Et donc en fait, ce que tu pouvais voir en Scandinavie te permettait. Ce que tu voyais à un moment ou à un autre te permettait de faire un voyage à contrario vers ce qui était resté là-bas, qui était les archives. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, donc en fait, j'ai expliqué le thème de ton film. Oui. Voilà. Enfin, donc maintenant, il ne reste plus qu'à le faire. Plus ou moins. Plus ou moins. Oui, il va être fait. Il va être fait. Enfin, je crois. J'espère. Il va être fait. Alors, tu te dépayses, étudie encore, travaille l'été pour voyager. Voyage, mot vague, errance sans importance. Je veux bien prendre les ferries, mais ne pas partir en croisière. Quitter la foule pour en trouver une autre, assez. Sans quoi, je ne saurais être paisible. L'isolement est une quête douloureuse. Se perdre naïvement, ne plus penser à rien. J'y croyais. Or, la tête humaine est bien plus coriace que ça. De retour en France, éperdu entre les rêves et la réalité. Les rêves de la réalité et la réalité des rêves. Il me faut travailler avec un autre regard pour tenter à l'avenir
de savoir voir plus loin.